vous êtes accusé aujourd'hui d'être semeur de troubles à Kasumbalesa au niveau de l'espace Bilanga. Comment vous réagissez? L'accusation, c'est par rapport à la fraude douanière. Base Bilanga, IDPS ou bien Isaac Tshiswaka ne fait pas la fraude douanière. La fraude douanière est orchestrée par quatre services naturels. DGDA, OCC, IGEN et DG. Je vous donne un élément de preuve ici. Ça s'appelle un document de la douane DCI. Ces documents ici... Au plaisir, vous pouvez zoomer à un moment. Voilà. C'est un élément de preuve. Une preuve de taille. Ce monsieur est venu à la douane avec 1000 cartons de savon. Ce monsieur, c'est qui encore? Vous avez dit? La DCI est là, je le protège. Il est venu avec 1000 cartons de savon. Mais la douane a écrit 35 cartons. Donc la fraude déjà. La fraude déjà. Ce n'est pas Isaac Tshiswaka qui a écrit, c'est la DGDA. Et il a payé 1 800 000 francs congolais. La douane a écrit sur le papier 350 000 francs. Vous allez qualifier ça quoi? Ou comment? Est-ce mais comment vous êtes entré en possession de ce document? Je suis entré en possession de ce document, je suis entré de chercher les éléments de preuve pour prouver à la face du monde que tous ceux qui acquisent la base Bilanga et qui acquisent l'IDPS Kasumbalesa sont les ennemis de notre peuple.